pour et dans ma nouvelle tout de suite. Donc hop, donc l'épisode 4 on entamera pour une autre soirée. Oh putain, j'y pense, je suis baisé. Je peux pas faire mercredi à minuit la Life is Strange direct. Je suis en soirée. Oh mais. Bah merde. Jeudi soir. La Life is Strange. Je voulais savoir. Demain on continue. Resident Evil. Ou on se fait un lapin crétin comme ça. Ouais mais enfin ce que je veux dire, je voulais le faire vraiment mercredi minuit, donc jeudi quoi, tu vois. Poil. Par contre faut que je pense à acheter tout de suite la édition Deluxe pour avoir les bonus de la précommande. Donc normalement putain en plus c'est des connards tu vois. Heureusement que j'ai pu hein. Parce que ma paye était en cours de transfert. J'ai pu sortir du liquide. Ma carte n'est pas passée à Micromania, du coup j'étais dégoûté. Ouais vas-y, mode commando. Donc du coup on peut se faire un matchmaking ami. Donc s'il y a des gens. Je veux bien voir un lapin crétin. D'accord, d'accord. Bah, moi perso je vais faire une partie de mon côté et après je ferai une autre partie de une fichier 2 pour le live. Il y a 10 Gaïa 5 aussi à continuer. Là je me lance sur trop de jeux. Faut vraiment que je finisse Attaque des Titans par contre. Final Fantasy 15, on va le réduire. On va vraiment finir Attaque des Titans. Bientôt. Jeudi après-midi, je torche du Attaque des Titans. Rien à foutre. Donc, bah, vas-y, je me mets en mode solo. Alors, personnages, nous avons quoi? Est-ce qu'ils ont mis des personnages bonus? Est-ce qu'ils ont rajouté des persos? Donc, on a des tenues à débloquer plus tard. Ma Lady Hulk, elle est où? Peut-être l'Andor a débloqué. Lady Hulk, rien à foutre. Eh, dès que j'ai Lady Hulk, je joue que Lady Hulk. C'est mon deuxième personnage préféré. Vendredi, j'ai ma pré-entrée. Vendredi, je termine tard. Et de toute façon, je joue d'après-midi. Mais putain, enfin, Léna est là! Mais oui, bien, et toi, Léna? Bon, on se lance sur du Jill, hein, classique. Donc, faut l'équiper que de pistolet et mitraillette. Et on se lance un peu dans mon dos. Donc, bah, ça, c'est orange. Ah, Samurai Edge, hop, obligé. On a que ça comme arme, putain. Magasin. On se prend... plus XP, ouais... c'est cher le ravitaillement quand même. Herbe... Monter la passionnée. Mais tu sais quoi, un jour, au lieu de te passer des messages sur Facebook, je vais prendre ton numéro de téléphone et je vais t'appeler directement. Le retard de 3 heures. Mais oui, mais t'as raté 3 épisodes mémorables. Là, je pars. J'ai fini l'épisode 3. Et là, pour finir le live avant d'aller me coucher, je me fais un peu de commando. De toute façon, t'auras la rediff si tu veux, Léna. Ah oui, alors attends. Tu sais, je dois finir le jeu en normal sans mourir. J'ai eu une mort mémorable. Je devais attendre l'ascenseur et tout, là où tu t'es atterré Gaïa quand tu joues Parker. L'ascenseur s'ouvre, j'appuie sur l'ascenseur. T'as Jessica, il fallait l'attendre, il était pas là. Et je me suis fait one shot par un hunter. Ok, 3 épisodes déjà. Oui, ça va vite. Hein. Tu sais que Steve Révélation, quand j'ai joué sur 3DS, j'ai fini en une journée. En une journée, je l'ai torché. Donc stage. On commence. Merde, rappelle-moi Léna, c'est quoi les conditions? Faut toujours être au même niveau que... Pas se soigner. Être au même niveau que... La mission conseillée.
Et tue tout le monde. Pourquoi je suis pas étonné, Rizou qui meurt. Normal quoi. Mais ça c'était la faute d'une pute, d'une Jessica. C'est quoi? C'est la faute encore d'une fille, tiens. Hein? Quand c'est pas Jessica, c'est Ashley. Quand c'est pas Ashley, et qui d'autre? Moira par exemple dans Resident Evil version 2. Non, c'est pas Moira, c'est Mia qui fait qui me tue. Hein, toujours à cause d'une meuf. Elle lui dit que c'est impossible qu'il meure pas. Oui, la base c'est un jeu de 3DS. Oui. Je suis prête. J'ai toujours trouvé ça stylé le fait de voir la vie des ennemis. Oh putain, c'est vrai que... Sinon t'as vu Léna, j'ai mon petit bébé. J'ai mon Samoa Edge. Que je me suis fait baiser dans l'histoire là. Pourquoi il a 4 balles, Samoa Edge? Normalement, dans le mode commando, je suis plutôt du genre à pas acheter trop d'objets. Y'a pas une histoire, faut pas se faire toucher. Non, je crois que c'est juste pas sonner. Je crois que dans l'ascenseur il y avait un emblème. J'ai un doute, bon tant pis. Oh putain, en plus, je crois que l'épisode 4, c'est là qu'on voit Rachel. On est bon. Alors attends. Du coup ça a parlé, ça a parlé. Ça a beaucoup parlé. Ah putain, attends, ça a beaucoup parlé. Oui c'est ça Rizou. Ouais, ouais, il te faut surtout des excuses Rizou. Bonsoir Léna. Quand c'est pas des monstres sur la faute de Léna sur R6. Oui, non, généralement Léna elle me sauve. Sauf quand j'avais plus de mission pour me couvrir. Allez, Léna. Tu vas avoir une copine et faut choper toutes les empreintes.
Oui, ma copine Rachel, la pute là. Lol, je retiens Soul. Léna, je rigole, je te charrie, ça fait longtemps, je sais, c'est toujours de la faute de Rizou. Aussi Rizou. Oui, pas de soin, je sais plus. Oui, pas de soin, oui, non, mais en vrai, j'étais mort souvent dans Rastici à cause des soins. Salut Kido. Alors, Kido Yuto, bienvenue sur le live. Léna, 0,0% des joueurs l'ont déjà fini en enfer. Ouais, j'avoue. Bonsoir, oui, Rizou, c'est ça, on va bien se marrer. Rizou, sa visée légendaire, j'avoue, Rizou, 100 minutes. Et sans soin, pas de pratique. Attends, excuse-moi. Soul, t'es témoin en plus. Et de toute façon, il y a les VOD. Il y a les Rediff. J'ai eu pas mal de rang S. De 80, entre 80 et 88% de précision. Et Soul, tu peux pas mentir sur ça. Tiens, regarde. La précision. C'est qui s'est foutu de ma gueule sur la précision? C'est qui? Ah, c'est Soul. Tu as joué à la révélation One, ouais, depuis la 3DS, j'avais joué sur la 3DS et après la version 3.6, et j'ai refait le pigeon sur la version One. Ah, ah pépite là. T'as pas eu de rang S sur R6. Je parle révélation 1. Je parle de révélation 1. J'ai eu 88% précision. Respecte-moi. Et de toute façon, c'est plus facile à viser dans Rastelier Révélation 1 que Rastelier 6. Donc on va être d'accord sur ça. On va quand même acheter des armes. J'ai un doute si on récupère... Ah bah, comme par hasard, quand je veux acheter des armes, y a pas les mitraillettes. Du coup, tiens, j'ai... Tu kiffes, Soul, hein. Mais je conteste pas ta visée sur Révélation. Ah, merci. Merci, merci. Et en plus, au snipe, j'ai bien géré tout à l'heure. Putain, en plus, il faut avoir un roi sur toutes les missions. Hop, niveau conseiller 2. On commence la partie. Ah oui, putain, oui. Écran scindé ou révélation 2, ouais. En plus, je crois que j'avais joué un écran scindé avec ma soeur. J'ai un doute. Ah bah par contre je me suis fait vraiment baiser sur la contenance Summer Edge là. The fuck? Putain! Ah, ça c'est les poissons bonus! Attends, ah non, c'est au couteau qu'il faut se faire, non? Mallette pour armes. Ah, bah attends, tu sais quoi, on va pas acheter des armes parce que si on soit des mallettes pour armes, trop mieux. Et aussi, nana. Soul quand j'aurai une meilleure co. Quand un autre live, nana. J'ai joué avec Sini en marathon, tout en DLC en un jour. Du coup, comme j'avais fait le jeu, bah j'ai joué les noirs, mais. Par contre, je trouve que Révélation 1, j'ai vu les succès, c'est quand même chaud, parce qu'il faut que tu fasses des trucs... Bah déjà, j'ai eu un qui était compliqué, foutre un coup de couteau sur une balle, enfin sur un projectile d'un ennemi.
J'avais pas un. Ah, si. C'est bien que j'en avais vu un. Hein. 55 de succès déjà. Tu te rends compte, t'as des fous. En fait, je crois qu'il y a des gens, ils ont lancé direct le mode en, jeu en enfer. Non, quoique. Léna, qu'on soit d'accord. On peut pas finir le jeu directement en enfer, t'es obligé de finir le jeu et avoir des modes. Oui, en plus, c'est même pas débloqué tout de suite. T'as l'enfer, mais le succès, c'est un autre nom. T'as le mode enfer quand t'as tout de suite. Ça, c'est sûr, je l'ai vu. Je crois que c'est infernal. Mais pour le couteau, balle, il y a sur R5. Oui, c'est avec la flèche d'Arbet. Certains, oui, mais si tu veux toutes les empreintes, je sais où ils sont. Putain, oui, merde, Léna! En plus, tout à l'heure, on les a fait et tout. Moi, j'en ai trouvé 10. Attends, on les a pas tous tout de suite, Léna, s'il te plaît. Oh. J'en ai trouvé pas mal en 3 épisodes. Sur les 12 épisodes, j'en ai fait. Alors, 3 épisodes sur 12, j'en ai trouvé 10. J'ai trouvé déjà les 1 tiers. Oh le piton! Quel lien. Ah putain, j'avais oublié d'activer les modes. Eh, hey, j'ai des rangs, ouais, Selena. Précision absolue. Précision nickel. Armes. Parce que j'ai quand même des modes. Elle est pas spécialisée dans les magnums, donc on comprend pas. Ça fait quoi? Augmente la radiale. Ça se derrière, augmente. Non. Ça. Ouais, attends, mes armes, c'est niveau combien, Samurai? 1. Magasin, il est. Ah, il y a quand même plus de dégâts, vas-y. Chat. Tirez. Ah, putain, faut être niveau. Oui, mais je suis baisé, moi. Mais oui, je suis con. Bah. Remets les modes, je suis con. Bon, moi j'ai go, bonjour à toi et bonne soirée. Ok, prochaine vidéo game. C'est parce que je live souvent les soirs et tout, si tu veux revenir. Sauf le mercredi, j'ai une soirée. Bonne soirée à toi aussi. En fait, Rizbo est en train d'avouer que je kill plus vite que lui et qu'il a moins de précision à cause de moi. Non, non, alors là par contre, Léna, je fais plus de kills que toi. Dans Resident Evil. En général. Et tu restes toujours à l'arrière. C'est moi qui me tape tous les monstres. Enfin, c'est pour ça que je meurs tout le temps. Le mec qui cherche des excuses.
Non, non, genre. Je suis prête. Attends, on peut pas revenir en arrière. Oh, faut faire le même ciné, ok. C'est quand même 30 et demi. C'est qui font cette tête baissée et qui a zappé les ennemis alors qu'il a déjà fait le jeu? Bah, excuse-moi, Chris, il fonce tout de même en temps normal, tête baissée. Je me mets sur la peau de mon personnage. Je sais pas pourquoi ce Resident Evil me stresse pas mal quand même. Il manque quoi, c'est un peu sur Resident Evil? Quoi vous dire? Et c'est l'ambiance. Eh, tu sais que, Léna, on a appris que l'architecte qui a créé le bateau, c'est George Trevor. J'avais jamais fait gaffe avant. Merde, putain, attends, parce que du coup je l'ai plus. Encore, t'as pas vu le jeu tout à l'heure, il s'est tiré. Il a tiré sur son anime par mécontentement après qu'il se plaindra de sa précision. Aizu, tu vois, Sultora et Dak avec moi. Lol, de toute façon. Ça peut pas être pire que de se retrouver 100 minutes devant la. Attends, voilà. Ah, le T9. Devant l'insecte de R6 sans espoir. Il y a beaucoup de jeux qui te stressent, mais oui. Même la copie parfaite. Ah, je me disais bien que j'avais entendu un bruit. Il est irrécupérable. Les mines, quoi? Qu'est-ce que t'as, les mines? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oh! Quand je suis revenu ici avec la clé, j'ai oublié d'ouvrir cette porte, c'est la première fois dans le jeu. Bah, tant pis.
Il y a une pièce que j'avais oublié de visiter. Bah c'est pas grave, on passera de toute façon obligatoirement avec, pour aller chercher Rachel. Là, je vais te capter que j'avais oublié une pièce dans l'histoire, tiens. Oh bâtard. Qui était perlant ce con. Merde, attends. Rien à droite et il y a les derniers ennemis. En fait, Elena, t'as vu quand je suis le mondo pendant un sens, il te faut une clé pour rentrer dans cette fameuse pièce dans l'histoire. Non, mais j'ai déjà la clé. Sauf que j'ai oublié de. En fait, quand j'ai récupéré la clé, j'ai oublié de refouiller la pièce. Et j'ai encore ban personne sauf Litty que je mute car il est trop chiant avec moi. Oui, on a parlé à Chris Go, félicitations. Ah ah, si tu mutes Litty. Oui, Litty, des fois il s'amuse à lui. C'est parce que moi tranquille nommé, ok. Bah tu sais que la fois Soul il était à deux doigts de vouloir ban ce cuisine. Là je crois que si mes souvenirs sont bons, il y a un poisson à l'intérieur. Oh sa mère la pute. Hey, j'ai une bonne mémoire hein. Et après on me dit mémoire poisson rouge. Putain. Ah ça c'est un point faible. Oh putain sur la casse, je suis dégoûté.
Cuisine est sympa, mais il est lourd à certains points. Ouais, non, mais si tu veux, à un moment donné. C'était sur. Ouais, je me rappelle, c'était sur Evil Within et tout. Tu sais, il disait. Tu sais, le Soul, il disait, ouais, c'est un enculé. Joseph et tout, dans le jeu, tu vois, le personnage du jeu. Et après, tu disais, ouais, vous parlez correctement et tout. Et à un moment donné, bah, j'ai engueulé Cuisine, tu vois, normal. Et je lui ai dit, à Soul, un truc comme ça, tu. N'hésite pas, t'es. Modo. Hein. Il a peur de croiser quelqu'un, il est où, vous voyez comme il est tendu. Mais attends, vous avez vu, dans les coins et tout, tu ouvres la porte, t'as un mec explosif à gauche. Mais oui. Non, mais. Trois quarts à côté, bravo. Trois quarts à côté, tu te fous. Mais... Précision 89. Donc. Oh, rang A. Tu as tué tout le monde, t'as oublié une pièce. Il dit deux fois. Quelle pièce? Rentre à droite là. Ah, quand il... En plus, j'ai même pas eu Trinité. Mais foutez de ma gueule. Bon, arme, ah, il me faut un fils d'assaut là quand même. Merde. Non, mais c'est une mitraillette qu'il me faut. Ça compte quand même, non? Enfin, je suis con. Vas-y, on va prendre la G36. J'y suis allé? Mais si, j'ai... Non, j'ai pas tué tout le monde. Mais pourtant, j'étais... sûr d'avoir eu les 30. Bah attends, on va se le refaire, hein. Merde. Mais si, j'ai tué tout le monde. Je suis prête. J'avais... Attends. Je regarde bien la carte. On est d'accord. Alors attends. Quoi? Calme. Merde. Bon là c'est la pièce de la fin. On est ok. Quand tu fais demi-tour pour tuer le bou... D'ailleurs il y a une porte spéciale ici. C'est là que tu... Merci. Quand t'étais pas là, Rizou, t'as complimenté. J'ai complimenté Lena. Ah bon? Oh le pub. Le pire, c'est vrai? Je me rappelle plus, j'avais dit quoi?
Tu vois, j'ai dit des compliments, je m'en rappelle même plus. Là, j'ai été tout à l'heure ici, hein. Toujours qu'on peut monter quand ils font taf. Tu cites la déesse du savoir, mais Elena, elle sait déjà ça. Ouais, c'était là. Excuse-moi, attends. Regarde, regarde, Léna, 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 je suis pas fou. Tu vois, on est d'accord, c'est là. On est d'accord. Y'a rien. Y a été tout à l'heure. Je crois qu'il faut y aller au retour. Bah, ah, peut-être, t'as raison. Bah, comme j'y ai été, bah, j'ai pas pensé y retourner encore. Oh putain, il faut véhiculer. Zombie qui revient ici. C'est pas. Bah oui, excuse-moi, Soul, toi t'as plus le connard, c'est normal, c'est amical. Pourquoi j'ai oublié un zombie? Bah, bah. Oui, donc, oui, sous-soul, c'est normal. C'est affectif. Oula, oula, t'avances trop à mon goût là. T'avances trop à mon goût là. T'avances trop à mon goût. Mais celui il fait mal. En tout cas, depuis qu'il est là, je passe à déesse du savoir, c'est beau mon évolution. Je t'avais dit que. Oui, tu m'avais. Ah non, mais t'avais pas dit Alena. Mais Léna, comme c'est la déesse du savoir, c'est tout. Genre, pour écouter, c'est. Pour voir si elle a écouté ce que j'ai dit. C'est qui l'architecte du bateau? Je vais me faire tuer avec mes conneries. Je vais me faire tuer avec mes conneries. Hein. Je pars tu par un petit poisson, vous êtes sérieux? Si tu vois, faut pas que je meure à cause d'un petit poisson. Parce que là, c'est la honte. Je connais une, elle va se foutre de ma gueule. Voilà, je voulais faire le malin. En plus, j'ai pas le droit de me soigner. Sûr qu'il y a un zombie qui apparaît ici. Tu vois, il y a personne qui apparaît ici. Oh, Léna raconte des conneries. Ce que je vous disais. De toute façon, j'ai eu les 30. C'était affiché 30 sur 30 tout à l'heure.
Et là, il y a un nid derrière la porte. Et en réfléchissant un peu, je crois qu'il faut pas se faire toucher. Okay, on s'en est sorti. Ouais, donc Léna, je disais, la pièce que tu m'avais dit, il y était pas. Par contre, je crois que je suis certain d'un truc. Visiteur de l'entrefer. Ah, attends, niveau 5 en 101 XP, il faut un stage. Je crois qu'en fait, il faut pas se faire toucher. Maintenant, je suis sûr et certain, faut pas se faire toucher. C'est encore plus chaud que Révélation 2 où il fallait pas te sonner. Heureux, excusez-moi. Ouais, Léna, donc il y avait personne dans la pièce, comme je disais, je le redis. En fait, pour avoir la Trinité, faut pas se faire toucher. Si tu mets un coup chargé, ça donne une arme, non? Oh, j'en sens rien, ça. Et sinon, bienvenue à toi, Chicken Scripts. Non, alors du coup, faut avoir le niveau conseillé, faut tuer tous les ennemis, et faut pas se faire toucher une seule fois. Et t'as la Trinité. Et je crois que vous mettez deux en fait. L'anniversaire de Léna, c'est bientôt l'anniversaire. Ah bon? Léna. Attends. Anniversaire de Léna, sérieux? Bientôt? Attends, est-ce que c'est affiché? Oh mais non, c'est pas bientôt, c'est le 2 octobre. Trinité, c'est génocide, 100% de précision. T'es sûr pour le 100% de précision? Parce que genre, tout à l'heure, j'en ai raté des balles, hein. Je les ai eus. Enfin, attends, j'ai raté des balles. Oui, si, si, tout à l'heure, j'en ai raté des balles, hein. C'est des conneries, les 100% de précision. C'est, tout à l'heure, j'ai bien raté des balles, et de toute façon, j'ai Léna et Soul, témoin. Plus, j'ai oublié son nom, qui était là tout à l'heure. Kido. T'as pas 100% de précision. Ça, c'est une grosse connerie qui a été inventée quand le jeu est sorti avant. Non, c'est vraiment. Ouais, donc c'est vraiment pas se faire toucher. Je pensais que c'était pas soigné. Comme Révélation 2, bah, j'avais zappé que c'était autre chose. Ah, bah, sur 3DS. Ah, sur 3DS, je sais pas, mais. En tout cas, déjà sur 3.6, 100% de précision, tout. Zapper. Mais du coup ça fait chier. En fait vaut mieux être en cop. Putain, vas-y Léna, tu peux pas prendre le jeu parce que j'ai besoin de toi pour faire toutes les missions en Trinité. Léna, tu peux acheter le jeu, il coûte que 20 €. Hein, comme ça tu fais. Et tu vas. On fait toutes les missions en Trinité, donc on fait chacun notre tour. En fait quelqu'un avance et l'autre. En fait quelqu'un avance, il fait le bourrin et se soigne et tout, et l'autre reste derrière. Comme ça, il se fait pas toucher. Ah, il est moche par cœur.
T'as oublié quoi? Ouais, c'est vrai que mec, sa première tenue. Mais par cœur, c'est pas un personnage que je kiffe. Chris, bon voilà. Jill, de toute façon, c'est mon personnage préféré. Lui, il est sous-marin avec l'autre groupe. Et la petite Rachel. Que je vais peut-être prendre parce que je viens de lire un truc intéressant. Régénération automatique de la vie. Ah, oh, mais de toute façon, faut pas se faire toucher donc ça sert à rien. Ouais, donc on va ajuster son niveau. Hein. Hop. On se refait une dernière. Vas-y, on se refait un petit ravitaillement. Ouais, de toute façon, l'argent, on va regarder pour les études. Donc, niveau quand c'est 4, ok. Bah, j'ai déjà sélectionné, je suis con. Donc, on est go. On est go. Tu kiffes Raymond et Kate? Bon, je confirme et j'affirme. Pas de dommage qu'il est pour tout le monde. Ah merde, attends, même si t'as deux, s'il y en a un qui se fait toucher, c'est mort. Tiens, question, vous préférez qu'il est en blonde ou brune? Attends, j'ai oublié c'est qui ce perso là. Si on nous se faire toucher. Ah oui, ça c'est vrai. Le gaffe sur le. Ah, Jill! Putain, tu m'as fait peur. Je la préfère en brune. Je la préfère en brune. Quoique, c'est quoi, je la préfère avec la tenue de Resident Evil 3. Merde. C'est vraiment la tenue de Resident Evil 3 que je surkiffe. Heureusement qu'avec les écouteurs t'avais détecté où ils sont ces enculés. Il est entendu arriver derrière cet enfoiré. Brune, ouais, tout le monde préfère Brune. Blonde, je suis pas trop fan. C'est vraiment la tenue qu'elle avait dans Resident Evil 3 quoi. Ah, du coup, ce petit poisson te touche, tu te fais baiser quoi. Là par exemple, je me rappelle que s'il y avait une empreinte, Chris, en mode histoire.
Et non, prendre seul copique de l'avion. Bon, il reste 8 loups. Oui, donc Léna, je sais plus si t'avais répondu. Donc, même si t'es à 2, si l'un des deux prend des dégâts, c'est mort pour la Trinité? C'est dégueulasse. Merde, sale pute, je le voyais arriver en plus. Pour un loup. Bah tu vois Léna, raison de plus de l'acheter pour jouer avec moi. Bon sinon vous risquez de voir aussi des lives en coop commando sur Révélation 2 avec Léna. Attends. Brune et puis le jeu où les blondes j'aime pas. R5 t'as pas aimé? Non j'ai pas aimé sauf le DLC avec le manoir, vu dans le cauchemar, hein, c'est pour toi, je sais plus où ils sont. Oui ça m'a rappelé le 0. Bah en fait Resident Evil 5 comme j'ai toujours dit, c'est vrai qu'il est pas top. Mais au moins il a le mérite qu'on arrive à se dire tiens je veux le refaire. Si tu te fais pas chier, quand tu le refais, tu reprends du plaisir. Contrairement à Resident Evil 6 où j'ai du mal à reprendre du plaisir hier jeu. Et il y a quelqu'un qui a follow que quelqu'un de boîte a rien dit. Et que j'ai merde putain alors du coup j'ai pas vu. Qui a follow. Donc merci à la personne qui a follow. J'ai pas fait gaffe. Et salut à toi mes couilles dans le ciment. Oui j'ai adoré, par contre je kiffe grave mais Rizou kiffe pas. Manoir non. Putain du coup j'ai même pas vu. C'est qui avait follow? Parce que Kiki de bot m'a pas donné l'info. Et j'ai pas eu le temps de regarder sur Bidule. Putain oui du coup je me suis fait encore baiser là. Ouais toujours en forme par contre t'arrives je vais arrêter le live parce que 7h du match commence. Donc 6h je suis parti donc j'ai que 5h pour dormir là. Chien gamin de verre pour un pseudo. Ah non mais on a tous rigolé t'inquiète. Bof. C'est trop baston partout, et oui, moi, là, il y avait une ambiance particulière, ouais, c'est vrai, ça. Super étoile, sous le droit derrière. Et les autres, c'est excellent, moi. Là, j'adore de voir faire la pas. Ah, c'est un no. Ah, bah oui, c'est pour ça que Kiketbot m'avait rien dit. Ah, si, Kiketbot m'avait dit pour Lost. Ah, bah, du coup, de toute façon, j'avais eu Lost, donc. Oui. Ah, c'est un peu con parce que du coup tu oses quand je vais arrêter le live. Du coup demain. De toute façon je vais arrêter les VOD pour le rediff déjà.